Vous avez peut-être déjà donné votre sang, mais saviez-vous que vous pouviez aussi donner vos excréments? C'est pas une blague, ça s'appelle la transplantation de microbiote fécal. Et c'est une thérapie extrêmement efficace pour traiter l'infection à Clostridioides difficile. Clostridioides, c'est une bactérie pathogène qui provoque des diarrhées et dont il est très difficile de se débarrasser, même avec des antibiotiques. Une des solutions pour en venir à bout est donc de transférer les selles d'un individu sain directement dans le tube digestif de la personne malade pour réintroduire chez elle une flore bactérienne saine. Je vais vous montrer un étalement de selles au microscope pour que vous vous rendiez un petit peu compte de tout ce qui se cache dans notre caca. Toute cette purée que vous voyez là, c'est un aperçu du microbiote intestinal qui est propre à chaque individu. Ce sont des centaines de milliards de micro-organismes, c'est l'équivalent de 2 kilos, qui vivent dans vos intestins. Une fois que le donneur a fait sa petite affaire, les selles vont être mélangées avec une solution pour former cette espèce de velouté. Ensuite, la solution va être administrée soit par lavement, soit par sonde nasogastrique. Allez, je vous dis à bientôt.